maintenant? Quand maintenant? Qui maintenant? Sans me le demander. Dire je. Sans le penser. Appelez ça des questions, des hypothèses. Aller de l'avant. Appelez ça aller. Appelez ça de l'avant. Se peut-il qu'un jour, premier pas, va, j'y suis simplement resté. Ou, au lieu de sortir selon une vieille habitude, passer jour et nuit aussi loin que possible de chez moi, ce n'était pas loin. Cela a pu commencer ainsi. Je ne me poserai plus de questions. On croit seulement se reposer afin de mieux agir par la suite ou sans arrière-pensée. Et voilà qu'en très peu de temps, on est dans l'impossibilité de plus jamais rien faire. Peu importe comment cela se produit. Cela dire cela, sans savoir quoi. Peut-être n'ai-je fait qu'entériner un vieil état de fait. Mais je n'ai rien fait. J'ai l'air de parler, ce n'est pas moi, de moi, ce n'est pas de moi. C'est quelques généralisations pour commencer. Comment faire? Comment vais-je faire? Que dois-je faire dans la situation où je suis? Comment procéder? Par pure aporie ou bien par affirmation et négation affirmée au fur et à mesure, ou tôt ou tard. Cela d'une façon générale. Il doit y avoir d'autres biens, sinon ce serait à désespérer de tout. Mais c'est à désespérer de tout. À remarquer, avant d'aller plus loin de l'avant, que je dis aporie sans savoir ce que ça veut dire. Peut-être être, peut-être peut-on être effectif, autrement qu'à son insu, je ne sais pas. Mais oui ou non, c'est autre chose. Ils me reviendront à mesure que je progresserai. Et la façon de chier dessus, tôt ou tard, comme un oiseau, sans en oublier un seul. On dit ça. Le fait semble être, si dans la situation où je suis, on peut parler de fait, non seulement que je vais avoir à parler de choses dont je ne peux parler, mais encore, ce qui est encore plus intéressant que je, ce qui est encore plus intéressant que je ne sais plus, ça ne fait rien. Cependant, je suis obligée de parler, je ne me tairai jamais, jamais. Je ne serai pas seule les premiers temps, je le suis bien sûr, seul, c'est vite dit, il faut dire vite, et sait-on jamais, dans une obscurité pareille, je vais avoir de la compagnie pour commencer, quelques pantins, je les supprimerai par la suite, si je peux, et les objets, que toi, quelle doit être l'attitude vis-à-vis des objets? Tout d'abord, en faut-il? Quelle question! Mais je ne me cache pas qu'ils sont à prévoir, le mieux est de ne rien arrêter à ce sujet à l'avance, si un objet se présente pour une raison ou pour une autre, en tenir compte. Là où il y a des gens, dit-on, il y a des choses, est-ce à dire qu'en admettant cela, il faut admettre celle-ci? C'est à voir. Ce qu'il faut éviter, je ne sais pourquoi, c'est l'espèce de système. Gens avec choses, gens sans choses, choses sans gens, peu importe. Je compte bien pouvoir balayer tout ça en très peu de temps. Je ne vois pas comment. Le plus simple serait de ne pas commencer. Mais je suis obligée de commencer. C'est-à-dire que je suis obligée de continuer. Je finirai peut-être par être très entourée dans un capharnaüm. Aller et venir, incessante atmosphère de bazar. Je suis tranquille.